Eh bien, bonjour à tous, bon dimanche. La neige ne s'en va pas, elle reste là. C'est la première fois qu'on voit ça dans le Lot, depuis maintenant, quoi, 6-7 ans qu'on est là. Hein. C'est formidable. Écoutez, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais nous avons un site qui s'appelle Révélation Bible. Et dans Révélation Bible, si vous regardez, vous descendez là, et vous tombez sur une photo où il y a la lune. Et hier soir, tous les fidèles du site étaient en réunion de prière à 21h55. J'espère que vous avez prié avec nous, parce que c'est un moment où les sorciers du monde entier, lorsqu'il y a un changement de lune, ils se réunissent pour maudire l'Église, maudire les pays, et nous, eh bien, on se tient à la brèche et on repousse nos ennemis derrière leurs portes. Alors là, je vous le dis, allez sur le site Révélation Bible, il y a beaucoup de choses intéressantes et des explications pour que vous puissiez avoir une vie de victoire et non pas une vie d'échec ou de médiocrité. Si on veut avoir la victoire, il faut aller la chercher. Amen. C'est bon. Dimanche passé, je vous disais que la Bible n'appelle pas toujours le beau-père de Moïse Jéthro. Alors, ça fait bizarre de penser ça. Dans Exode 3:1, Genèse Exode 3:1. Voilà ce qui est dit, si je trouve. Moïse faisait paître le petit bétail de Jéthro, son beau-père, qui était prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et arriva à la montagne de Dieu à Horeb. Donc, ça, c'est pour nous dire que Jéthro était prêtre en Madian. Prêtre de Madian. Ça ne veut pas dire qu'il était madianite. On va voir ça tout à l'heure. Et les diverses appellations du beau-père de Moïse ne correspondent pas toutes à des noms propres. Par exemple, dans Exode 2, 18, il nous est dit que... donc, c'est dans le même chapitre... Non, c'est vers chapitre 2, verset 18. Quand elles furent de retour, donc les filles de Jéthro, quand elles furent de retour auprès de Réuel, leur père, le père des filles de Jéthro, c'est les filles de Jéthro, pourquoi on appelle Réuel là tout d'un coup? Il dit, pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Elles répondirent, un Égyptien nous a délivré de la main des bergers, il a même puisé de l'eau pour nous. Alors, Réuel, c'est le nom d'un des fils d'Ésaü. Vous pouvez trouver ça dans Genèse 36, versets 10-12. Je vous rappelle, c'est une étude qu'on est en train de faire. Je pense que c'est la dernière que je vais faire parce que je vois que bon, vous aimez bien, mais sans plus. Donc, je vais m'arrêter aujourd'hui. Dans Genèse 36, à moins que vous réclamiez d'autres, parce que j'ai encore d'autres choses à dire, mais Genèse 36, 10 à 12, il est dit, voici les noms des fils d'Ésaü, Eliphaz, fils d'Ada, femme d'Ésaü, Réuel, fils de Bashmat, fils d'Ésaü, femme d'Ésaü, etc., etc., Réuel. Donc, Réuel, c'est un nom, Et puis, vous avez aussi Timna là-dedans. Elle est nommée là aussi. Et j'ai oublié de vous le lire. Au verset 12, Timna était la concubine de Eliphaz, fils d'Ésaü. Elle donna à Eliphaz Amalek. Amalek. Ce qui fait que, en fait... L'appellation d'un des clans les plus influents d'Édom, c'est ce clan-là. Les Édomites, ils n'étaient pas trop bien vus. Hein.
dans Juges 1,16, le nom de Kéni est le nom d'une tribu. Juges 1,16. Il est dit, les fils du Caïnite, beau-père de Moïse. Ah, tiens, le beau-père de Moïse était Caïnite. Montèrent de la ville des palmiers avec les fils de Juda dans le désert de Juda au sud d'Arad et ils allèrent s'installer avec le peuple. Caïnite. Bon, vous me direz, dans la descendance de Seth, il y a aussi quelqu'un qui s'appelle Caïni, je ne sais plus comment exactement. Enfin, voilà, c'est un petit peu comme les. Comme les mauvaises graines, comme les Michel, il y en avait plein un temps. Dans Juges 4,11, il nous est dit que, en effet, que Héber, le Kinite ou Caïnite, était séparé de la tribu de Caïn, du clan des fils d'Obab, beau-père de Moïse. Obab est beau-père de Moïse, voilà encore un autre nom. Obab. Père de Moïse, le beau-père de Moïse. Vous verrez ça dans Juges 4,11. Le beau-père de Moïse était donc un descendant de Caïn. Alors, les théologiens se chipotent un petit peu là-dessus. Ils mettent comme note, au lieu du nom propre Héber, certains comprennent un clan caïnite ou kénite. C'est-à-dire de Caïn, des autres Caïnites ou Kénites. Voilà, les théologiens ne sont pas toujours d'accord, mais c'est normal parce que voilà, il y a plein de gens qui s'appellent la même chose. Enfin, disons que moi, je me serais appelé Seth, j'aurais eu un fils qui aurait eu un fils qui s'appelait Enoch, je l'aurais dit, écoute, tu l'appelles pas Caïn, quoi. Je dirais, voilà. Quoi. Je ne sais pas si vous avez vu le film où il y a toute une famille qui se réunit et puis il y a pour la naissance d'un bébé, et puis le couple dit, tout le monde demande au couple, alors quel nom vous l'avez donné? Et puis les parents disent, on l'a appelé Adolphe. Quoi? Comment Adolphe? Mais ce n'est pas possible. il y a des noms comme ça. Et puis vous allez voir, la Bible commence à devenir très discrète avec... Jéthro, avec Timna, on n'en parle pas trop parce que c'est un peu gênant. C'est un peu gênant cette descendance-là. C'est comme ça. Mais le mode de vie, donc comme je vous l'ai dit, les Kénites étaient distincts des Madianites. Ils n'étaient pas Madianites, mais Jéthro était prêtre en Madian. Et ça semble contradictoire, mais ça ne l'est pas. Le mode de vie des Kénites, tel qu'il est révélé dans la Bible, permet de concilier ces vues. D'après Juges 1,16, on apprend que les Kénites ou Caïnites avaient un territoire à eux autour de la ville des Palmiers, qui était une cité localisée dans l'Araba. L'Araba ou l'Arad, si vous voulez. Et si vous allez sur Google, puis vous cherchez, vous allez trouver des belles pages comme ça, avec des belles photos qui vous expliquent beaucoup de choses sur cette région qui était réputée pour son important négoce du cuivre issu des mines du royal du Sinaï. Voilà, donc, je vous rappelle que l'Araba, c'est la fameuse région donc, dans laquelle se trouvent les mines de cuivre. Dans Deutéronome 34, 13, la ville des Palmiers est identifiée à Jéricho. Mais alors là, Jéricho, elle n'est pas du tout dans cet endroit. Jéricho ne se trouve pas dans la région des mines, pas du tout, si vous regardez les cartes. Mais la ville des Palmiers, ça peut vouloir dire aussi « oasis ». Vous voyez, donc la Bible brouille un peu les pistes. Et puis les Kénites étaient aussi des gens qui étaient dispersés parmi d'autres peuples, comme les Suisses.
vous en avez en France, vous en avez en Amérique, vous en avez partout les Suisses. On est partout, on est envahi. Héber, le Kénite, habite parmi les Cananéens. On trouve ça dans Juges 4.11, on trouve ça dans Juges 5.24. Certains clans kénites sont installés parmi les Israélites dans le sud de la Judée, on trouve ça dans Juges 1.16, et d'autres vivent au milieu des Amalécites, 1 Samuel 15.6. Je vous laisse chercher les références, je vous donne les références, je vous laisse chercher les textes. C'est une réalité biblique et c'est ce qui permet de croire que le beau-père de Moïse était un kénite vivant parmi les Madianites, puisque la Bible le dit. Elle ne dit pas qu'il était madianite. Elle dit qu'il était prêtre en Madian. C'est comme moi, je suis pasteur en France, mais je ne suis pas français. Je suis toujours suisse. Comme ça. Il assurait la prêtrise de Yahvé, dont le culte en Madian était localisé sur le mont Horeb. On appelait déjà la montagne de Dieu, et c'est là que Moïse a rencontré le Seigneur, vous le savez, quelque temps, longtemps après. Il était donc prêtre en Madian, mais il n'était pas forcément madianite. Alors, pourquoi le livre de l'Exode, si riche en détails, masque-t-il la véritable identité de ceux qui sont les principaux acteurs du culte de Yahvé? Parce qu'en fait, c'est eux les premiers, quoi. C'est pas Abraham. C'est pas Moïse. Alors, il suffit de voir la manière dont les Kénites sont appréhendés dans la Bible. Premièrement, les chiffres. On ne trouve que 10 versets qui parlent des Kénites sur 23 000 versets. Par comparaison, les Madianites et Madian sont mentionnés 63 fois, 63 versets. Même Amalek, qui n'est pas en odeur de sainteté, et les Amalécites, parmi lesquels vivent les Kénites, sont mentionnés 48 fois. Dans 48 versets, les Kénites seulement 10. Un peu de côté. Je vous rappelle qu'Amalek et les Amalécites sont détestés par Dieu lui-même, qui ordonne leur destruction. Quant au livre de l'Exode, il ne mentionne jamais les Kénites. Fort Moïse, hein. C'est sûrement cette censure, moi je n'ai pas peur du mot, qui a motivé Moïse à présenter Jéthro de cette manière, prêtre en Madian, sans plus de précision. Prêtre en Madian, mais il ne dit pas prêtre de qui, il ne dit pas... Non. En fait, il n'y a que la prophétesse Déborah qui dit du bien des Kénites. Hein, je vous ai montré ça la dernière fois. Et puis, il y a Saül qui avertit les Kénites à se séparer des Amalécites. On trouve ça dans 1 Samuel 15.6. On peut le lire, ça c'est bien. 1 Samuel 15.6, ça vaut la peine. 1 Samuel 15.6. Il dit aux Caïnites, « Allez, écartez-vous, descendez d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas disparaître avec lui, car vous avez agi avec fidélité envers nous, les Israélites, lorsqu'ils sont montés d'Égypte. » Les Caïnites s'écartèrent donc d'Amalek, et Saül battit les Amalécites. Les Caïnites sont les Kénites, et tous les théologiens sont d'accord pour le dire, sur le fait que les Caïnites, dont il est question, c'est bien, bel et bien les Kénites. Ça dépend tout de la prononciation, de l'auteur du livre. Si vous lisez la Bible en anglais, vous ne trouverez pas Jésus. Il n'y a pas du tout mention de Jésus dans la Bible en anglais. Ils disent « Jesus ». Si vous la lisez en espagnol, c'est encore autre chose. Si vous la lisez en allemand, c'est encore... Ou en suisse-allemand, c'est même pas prononçable. Jésus, c'est pas Jésus, c'est Yeshua, normalement.
tous les théologiens sont d'accord pour dire que Kainit ou Kenit, c'est pareil. Un clan, c'est un clan de nomades dans le désert. On trouve ça dans Genèse 4.1, où il est fait question pour la première fois, de personnes qui vont être des nomades. C'est Caïn et ses descendants. Dans Juges 1.16, dans Juges 4.11, 24. Je trouve dommage que le frère Cossèque n'ait jamais pensé à chercher de ce côté-là. Parce que tout est dit. Voilà, les gitans, ils viennent d'Égypte. Après, il y en a qui disent non, ils viennent des Indes, ou d'autres, enfin, il y a n'importe quoi, mais il n'y a jamais eu cette relation. Ils sont nomades, pourquoi? Mais cette bienveillance de Saül, elle reste quand même énigmatique. Saül rappelle juste que les Kénites eurent de la bonté envers Israël lors de l'Exode. Mais il ne raconte pas quoi. Il ne dit pas quoi. C'est une formulation un peu vague qui laisse percevoir quelque chose que l'auteur du livre veut taire quant à la contribution des Kénites à la naissance du peuple d'Israël, adorateur de Yahvé. Le mutisme concernant les Kénites se transforme même parfois en hostilité, en franche hostilité, dans certains textes bibliques. Dans Genèse 15, 19, je ne sais pas si je l'ai, 15-17 même. Quand le soleil fut couché, l'obscurité devint profonde, alors une fournaise fumante et une torche de feu passèrent entre les animaux partagés. Et en ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham, disant « Je donne ce pays à ta descendance depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve d'Euphrate, le pays des Kainites, c'est-à-dire ça ne leur appartient plus, maintenant c'est à Abraham, des Kénizites, des Kadmonites, des Hittites, des Périzites, des Réphaïtes, des Cananéens, etc., des Jébusites. Donc, voilà, dégagé, maintenant ça appartient à Abraham, à l'origine. La Bible inclut donc la liste des... Elle inclut les Kénites, les gens de la famille de Jéthro, dans les 10 peuples qu'il y avait à déposséder du pays de Canaan pour le donner à Abraham. C'est quand même pas rien. Par contre, dans Josué 14-14, les Kénizites sont des héros libérateurs de la Judée, comme connus pour leur zèle envers Yahvé, à Josué 14-14. J'espère que je vais le trouver. Josué, c'est tellement. Josué, je vais le trouver. Je ne l'ai pas noté. Enfin, vous verrez ça, Josué 14-14. C'est bien, je n'ai pas noté ça. Mais voilà. Josué le béni donna Hébron pour patrimoine à Caleb, fils de Yéphouné. C'est ainsi que Caleb, fils de Yéphouné, le Kénizite, Kénizite à Hébron pour patrimoine jusqu'à ce jour parce qu'il a rempli ses obligations envers le Seigneur, le Dieu d'Israël. L'ancien nom d'Hébron était Kiriat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Akinites. Le pays fut dès lors tranquille et sans guerre. Il semblerait que les Kénites soit donc les descendants de Caïn, qui est devenu un peuple de nomades haïs de tout temps. Et je ne vais pas en dire plus au sujet de l'origine de Caïn,
Vous allez sur mon site, Révélation Bible, que je vous ai montré au départ, révélationbible.fr, et dans la barre d'en haut, vous voyez marqué « Dictionnaire ». Et dans le dictionnaire, vous allez dans la lettre C, vous tapez « K1 ». Et puis vous lisez, et puis ça vous renvoie dans d'autres endroits, et vous allez comprendre pourquoi K1. On peut comprendre pourquoi les auteurs de la Bible opèrent une séparation entre les Caïnites et le reste de l'espèce humaine, quand on lit tout ça. Les Caïnites sont fils de Caïn, et le reste de l'humanité descend de Seth. Et c'est dans Genèse 15, 17 à 21 que Dieu dépossède donc les Caïnites de leur territoire pour les donner à Abraham. Et maintenant, je pense que vous comprenez mieux pourquoi les auteurs de la Bible inspirés, sont inspirés, ne mentionnent pas beaucoup Timna, qui, ce mot signifie caché, c'est quand même bizarre, ou entrave. Ou même ne cite pas beaucoup Jéthro, le beau-père de Moïse, et même des fois il lui donne un autre nom. Mais il faut savoir que même s'ils étaient descendants de Caïn, il a bien fallu qu'au moins un descendant de Caïn se trouve dans l'arche de Noé. Sinon, ça en serait fini, il n'y aurait pas de Kénite. Vous voyez ? Qu'est-ce qui s'est passé là? Bah, c'est que bah, du temps d'Adam et Ève, ça a vécu longtemps, des milliers, des centaines d'années, et puis il fallait bien qu'ils épousent leurs frangines, leurs cousines, et tout ça, il y a eu des mélanges. Donc il y a toujours eu des descendants de Caïn dans le monde par mélange, par mariage. À cause de ces mélanges, regardez par exemple le grand Samson qui a épousé une femme philistine de la région de Timna, hein, la région. Et on peut le lire dans Juges 14, 1-4. Non, ça c'est si juge 4, c'est pas juge 14. J'ai des problèmes avec mes petits bouts papiers. Samson descendit à Timna. À Timna, il vit une femme d'entre les filles des Philistins. Lorsqu'il fut monté, il dit à son père et à sa mère, « J'ai vu à Timna une femme d'entre les filles des Philistins. Prenez-la moi maintenant pour femme. » Son père et sa mère lui dirent, « N'y a-t-il pas une de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple, que tu ailles prendre une fille d'entre les Philistins, ces incirconcis? » Samson répondit à son père, « Prends-la-moi, car c'est elle qui me convient. » Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait du Seigneur. En effet, ils cherchaient un prétexte contre les Philistins, et en ce temps-là, les Philistins étaient les maîtres en Israël. Et c'est vrai que ça venait de Dieu, mais ça paraît bizarre. Il y a beaucoup de choses, ça vient de Dieu, mais ça paraît bizarre. Et on se demande pourquoi. Mais pourquoi? Ben, il faut regarder l'histoire. Il faut suivre l'histoire, voir comment elle se déroule. Et là, on s'aperçoit que Samson a joué des tours aux Timnites. Quelque chose de bien. Bref, il y a eu tellement de mélanges, qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de juger si quelqu'un est bien ou pas, s'il est de Caïn ou s'il est de Seth, s'il est de la race du serpent, comme dit Jésus, du diable, ou pas. Car même parmi les gens de comme Timna, par exemple, Dieu s'est révélé à elle, et il a été adoré par elle. Hein, vous vous rappelez ce site qu'on a trouvé, vous allez chercher sur Google, le site, ça s'appelle carrément le site de Timna, et vous allez voir des photos. Ils ont retrouvé une tente, enfin, etc. etc. Donc, ne jugez pas, oh lui, il est trop méchant, il est trop moche, il vient pas, c'est pas possible que ce soit un enfant de Dieu,
il me fait des sales tours et tout. Non, Jésus dit, ne jugez pas. On n'a pas toutes les pièces en main pour pouvoir juger. Il faut laisser Dieu faire. Il faut laisser Dieu faire. Des gens vous font des difficultés. Allez savoir si ce n'est pas la volonté de Dieu pour en arriver à quelque chose de toute façon bon pour vous, puisque vous êtes son enfant. Alors ne jugez pas, laissez faire Dieu. Priez, jeûnez, bénissez vos ennemis et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je crois que je vais donc m'arrêter là. Je vais voir si vous m'écrivez. Continue. Je continue. Si vous ne m'écrivez pas, continuez. Je ne continue pas. J'arrête cette étude-là. Il me semble que j'ai dit déjà pas mal de choses. Moi, ça me passionne et j'en parlerai avec mes frères et sœurs ici à la communauté, mais ce n'est pas obligé que tout le monde connaisse ces choses, que je les mette sur notre site. Au revoir, à bientôt, que Dieu vous garde. Amen. Voici la marche que je suis chaque jour. Ma seule religion, oui, c'est l'amour. L'amour de Jésus pour moi. L'amour qui a été jusqu'à la croix. C'est une route qui mène à la joie. C'est le chemin. À grands pas qui mène à la paix du roi des rois. C'est une route qui mène à la joie. C'est le chemin qui remplit de foi. Sans aucun doute, je marche à grands pas qui mène à la paix du roi des rois. Qui mène à la paix. À la paix du roi des rois.